conseiller pour le moins de 62 ans. Salut tout le monde, c'est Reptalion. On se retrouve pour la suite de BE3 en mode cauchemar. On en était resté juste là. On avait ouvert la porte. Et on était avec Hendrix. Quand il avait les yeux de zombie. Je regarde, peut-être qu'il y a un zombie. Pas un zombie, mais un. Un nounours caché quelque part. Pour tous ceux qui peuvent traduire le. Je sais pas ce que c'est. Pourquoi les vautours exhibaient-ils leurs victimes ? Pour eux, c'était de l'art. Ils montraient leurs œuvres. Ils attiraient leurs ennemis avec les cadavres de leurs amis. Chaque groupe avait son territoire. Ils se battaient entre eux. Des tarés en guerre contre tout et tout le monde. Les macabres comme les vivants étaient des prédateurs rivaux qui convoitaient leur proie. Et là, on était tombés dans leur piège. C'est parti. Donc, on va y aller. Petit à petit, je pense. C'est ça? Ouais. Non! La Razorback, ok. Elle est bien aussi. Je ne voulais pas échanger ma manoir! Wow! Un petit lance-patate, peut-être qu'il pourra nous servir. Probablement, sinon il ne serait pas là. Corrompu a entendu le vacarme et a décidé de se joindre à la fête. Il me fallait un lance-roquette. Un lance qui pète. J'ai vu qu'il y a un nounours derrière aussi. Il peut pas me viser, je suis derrière lui. Oh. Un dommage et l'armure. Répulsive à FP avec des balles. Oh. Pourquoi je me suis mis devant lui, je ne sais pas. Peut-être que je suis un peu mazo. J'aime bien les balles. Des balles, c'est cool. Oh merde. J'ai pas compris. Voilà, cassé. Cassé. Oh. Petit nounours. Monsieur? Oui, viens. Viens, monsieur zombie. Et il a poussé un seul truc. Les vautours étaient arrivés avant nous, okay. Et avaient mis le feu au bâtiment. Gogzulan nous a parlé au parleur. Elle était à l'intérieur. Ah pas du parleur. Avec un invité.
Wow. Dangereux, moi, à faire. Oh, plus de balles. Oups. Youpinaise. Allez, donne-moi une arme, toi, n'importe laquelle. Tant qu'elle a des balles. Bêche. Ça va être chaud, 100 balles. 100 balles. Non. Donc là, j'ai des balles, normalement. Donc ça va être... plus simple. Du moins, plus de balles. Ouais, voilà quoi. Voilà, ok. Je les ai pas gardé longtemps mes balles. Chaud. Je crois que je vais y aller en mode balestec. Oh non. Alors what again? Viens là toi petite bébête là. Oh, je refais pas mal. Mais non mais c'est sérieux ça? Oh, j'étais victime d'un bug les amis. Meurs, meurs. Oh, oh nickel. Voilà, cool. Wesh. Je peux le niquer lui. Chaud. Oh, y'a masse zombies ici. Oh nickel. Y'a une petite merde. Ah faut que je nique. Que je batte tous les zombies. Sérieux. Ah. Fais mal. Merde. Je sais pas t'es qui. Merde toi aussi. C'est un ami lui? Non? Ok, non? Ok. Wesh. Ah, y'en a un à la base pour ça. Ouais. Bon, instant. Parfait. Sérieux ça? Pourquoi ça me fait pas... pourquoi ça bug? Bon bah vous assistez je pense à un bug du jeu. Y'a un nounours. Je vais à la What Again Miss to Fly, je m'en bats les couilles. Allez go. Qui se trouvait dans la pièce sécurisée? Elle. Kane. Notre ange gardien. Elle avait été tabassée. Gog Xulan. Elle était là pour la même raison que moi. La même que Kane. Le dossier. Vas-y, tu l'as. Tu es son hôte. Prouve-moi ta valeur. L'avez-vous tué? J'ai lutté. Paniqué. J'ai agi dans le feu de l'action.
Et le document concernant Deimos ? Probablement réduit en cendres. Volatilisé. Du moins, c'est ce qu'on croyait. Hendrix a demandé une exfiltration. Singapour n'avait rien donné. Mais on avait quelques questions à poser à Kane. Déjà, on voulait savoir qui elle était. Et ce qu'elle fabriquait dans une base abandonnée de la CIA. La vérité nous a encore plus surpris qu'on ne s'y attendait. Après les aquifères, on ne s'attendait vraiment pas à revoir Kane. Encore moins ici. Elle voulait la même chose que nous. Les disques de données sur Deimos. Et en plus, elle savait où les trouver. Ils étaient maintenant dans une station classifiée de la CIA, dans la zone de quarantaine. A-t-elle dit pourquoi Gok Xulan essayait de la tuer ? C'était pas Gok Xulan. Xulan était un pantin de Deimos, et Deimos voulait la mort de Kane. J'imagine qu'il l'aimait pas. Vous aviez confiance en elle ? Non. Pas encore. On était méfiants. Mais si elle pouvait nous conduire jusqu'à la station, ça pouvait valoir le coup. La zone de quarantaine de Singapour. On n'aurait jamais cru qu'on y retournerait un jour. Trop de mauvais souvenirs ? Faites pas comme si vous saviez pas, Doc. Cet endroit, c'est un rappel permanent de ce qui s'est passé il y a 5 ans. On comptait pas s'éterniser. Pas question de rester plus longtemps que nécessaire. Le but, c'était de trouver qui était ce Deimos et se casser vite fait. Kane, le disque de données concernant Deimos était crypté et en deux parties. Il nous fallait les deux pour accéder aux données. Un cadenas et sa clé, quoi. Le cadenas se trouvait dans la station classifiée, j'imagine. Et la clé ? La clé, elle était dans la zone des quais. Un coin qui grouillait de morts-vivants. On avait emporté un lance-micromissile équipé d'une IDN. Valait mieux de parer. Le QG avait prévu une frappe de drone pour faire un gros nettoyage préliminaire. Mais avec la tempête qui se préparait et les vents violents, on n'était pas sûr du résultat. On avait aussi pris les ancres à pointe au cas où il aurait fallu s'arrimer. Après les quais, on devait retrouver Kane au poste de police abandonné. C'est Hendrix qui était devant. Oui, donc avant la cinématique, j'ai fait une petite transition. Il y avait d'autres vautours. Ils visaient les plus faibles. Après la chute des Immortels, ils avaient récupéré Singapour. C'était devenu le Far West là-bas. Mais en 100 fois pire. Après ce qui s'était passé à la base, ils nous avaient à l'œil. Ça leur plaisait pas trop qu'on débarque sur leur territoire. Ils nous cherchaient. Et pour ça, ils s'en prenaient aux civils. Pourquoi n'êtes-vous pas intervenu ? Vous auriez pu les sauver. Trop risqué. Il valait mieux qu'on fasse profil bas. Mais ça aurait pu marcher. Non ? On avait peut-être une chance sur 1 milliard. Ça valait pas le coup. De toute façon, ils auraient fini par mourir. Le lendemain, ou le surlendemain. On était tous dans le même bateau. Personne s'en sortirait vivant. Si on avait tenté de les sauver, c'est nous qui aurions fini à leur place. Notre but, c'était pas de sauver 2 personnes, mais toutes les autres. Il fallait qu'on rejoigne la station classifiée le plus discrètement possible. Pas besoin d'avoir les macabres et les vautours sur le dos. Mais en fait, on avait déjà perdu la partie. Oh. Ouais, donc j'ai cru avoir vu un bug de texture. J'avais un vieux trait au milieu du front, comme ça, au calme. Oui, donc j'étais en train de dire, j'avais fait une petite transition parce que ça avait bugué. Et donc j'ai dû refaire. Et ça m'a pris, je pense, 20 minutes pour tout refaire. Ok, donc faut pas que j'agisse en mode bonhomme. Parce qu'il y a tellement de gens que... Oh merde toi. Ah, il faut que j'aille là-bas en fait. Il faut que j'esquive lui.
Wow. What? What the fuck? De plus en plus violent. Pardon. Et la tempête pouvait éclater à tout moment. Heureusement qu'on avait nos ancres. On allait en avoir besoin. What? J'ai pas compris, il y a eu encore un bug. What? Je comprends pas. Ça avait bugué. Les vents devenaient de plus en plus violents. Et la tempête pouvait éclater à tout moment. Heureusement qu'on avait nos ancres. On allait en avoir besoin. Attendre que le drone frappe. Ensuite, on pourrait avancer. Le vent était tellement fort que les missiles servaient à rien. Le paquebot risquait de se détacher à tout moment et de pulvériser les quais. Et alors là, adios le disque de données. Hendrix a pété un câble. On est conçu pour dézinguer les macabres après tout. Et c'est ce qu'on allait faire. Allez, go. Ouais, donc ça avait bugué, j'avais pas compris. Mais bon, vous le verrez probablement pas. Moi, j'y vais. Ah, il faut que j'aille là-bas, ok. Allons-y, gamin. Récupéré la première partie du disque et transmis les informations à Kane. Hendrix a commencé à nettoyer la timonerie. On entendait le vent hurler. On savait qu'on n'avait pas beaucoup de temps. What? Il arrivait droit sur la ligne.
Le rendez-vous était prévu dans un poste de police désaffecté, mais... Bon, c'est la fin de cette vidéo. Je vous dis à bientôt. Et si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu. À vous abonner aussi. Et à faire tourner mes vidéos, ça me ferait vraiment plaisir. Ça me donnerait plus envie de faire d'autres vidéos, d'en faire des meilleures. Donc n'hésitez pas à regarder mes vidéos entre amis ou partager mes vidéos. Ça ferait extrêmement plaisir. Bon, je vous laisse. À bientôt les amis, tchuss!